Salut, 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 bien le bonsoir à tout le monde. Je crois que ça y est, on est en live. Salut Fabienne. Salut! Bon, j'espère qu'on nous entend. Je crois que je demande un peu s'il y a du monde qui se manifeste dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si le son fonctionne. Comme là, c'est la première fois sur la chaîne de guitare qu'on est deux, savoir si vous avez bien tout le monde. Bon, en tout cas, c'est bien, je disais juste avant le live, que je suis bien content que tu sois là ce soir pour cette session impro. C'est cool comme ça, tu es la première sur Ouais. la chaîne de guitare. Et en plus, sur de l'impro. Donc, moi, ça m'intéresse. Et salut, salut, Esop, coucou, on nous entend. Et ben, c'est génial. Super, super. Donc, du coup, Parfait. le son est bon. S'il y a besoin d'équilibre, etc., au niveau du son, n'hésitez pas à nous le dire. Que ce soit sur la guitare ou pour le micro de Fabienne, comme vous entendez pas exactement la même chose que nous. Voilà. Donc le concept de la chaîne, pour ceux qui regarderaient en replay ou qui viennent juste d'arriver pour la première fois, c'est que tous les mardis soirs, il y a une session en live à 21h, où j'essaye de faire deux sessions, une première session débutant pas à pas, et une deuxième session, on va dire masterclass, avec les plus avancés et les plus confirmés en guitare classique. Ça, c'est ce qu'on a fait déjà sur trois sessions. Et après, je vais essayer de plus en plus. Donc là, c'est la première fois ce soir, c'est bien chouette d'avoir du coup des professeurs de conservatoire diplômés qui viennent proposer des thèmes et du coup, passer la soirée sur la chaîne et vous proposer des thèmes et partager en fait les passions de chacun chacune. Donc ce soir, il n'y aura pas deux sessions en mode débutant ou avancé. Ça sera une session donc avec Fabienne. Oui, donc tu nous proposais au programme d'aujourd'hui, en tout cas, de parler de l'improvisation. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire de cloisonner entre guillemets l'impro en se disant oh là là, l'impro sur une chaîne de guitare classique, aïe aïe aïe. Mais en fait, je pense au contraire que ça peut être tout à fait très intéressant pour tout le monde. Voilà. Bon, Oui. j'espère que tu vas bien. Oui, je vais Avec. bien. Je te Avec. remercie aussi de me faire confiance déjà Ouais, c'est vrai que. et de m'inviter sur ta chaîne. Quoi qu'après, j'ai des boutons, je peux couper, tu sais, je peux mute au cas C'est où. ça. Imagine que je raconte n'importe quoi. Hein? Et ben voilà. Non, merci à toi. C'est sûr, c'est sympa. Et oui, le thème de la soirée, c'est l'improvisation, mais l'improvisation pas forcément pour devenir un crack de l'improvisation. C'est l'improvisation comme outil de travail, en fait, pour progresser avec sa guitare. Donc, qu'elle soit classique ou pas classique, là, en fait, le répertoire est pas important. C'est plutôt utiliser, en fait, l'improvisation, en fait, comme outil pour progresser au point de vue de la connaissance du manche de la guitare, au point de vue de la musicalité, au point de vue des gammes aussi, peut-être aborder aussi la tonalité et la gamme d'une autre manière que ce que l'on fait habituellement dans le cursus classique de la guitare, où la gamme de référence, c'est Do majeur. Ça va de soi, et la gamme mineure. Et là, moi, je propose en fait une autre démarche avec les pentatoniques pour travailler sur un autre angle de vue. Et puis, c'est complémentaire en fait avec le travail qui est fait à côté sur les gammes majeures et les gammes mineures. Parce que Voilà. juste dans la biographie, j'ai regardé, parce que toi, tu as fait une formation classique pendant des Oui. années, donc tu as travaillé sur les deux plans au Oui. départ, et du coup. C'est ça. J'étais ange et démon. C'est qui l'ange? C'est toi qui vois. Mais oui, donc voilà, j'ai une formation de guitare classique. Et puis voilà, j'ai toujours fait de la guitare électrique à côté, j'ai toujours fait des chansons à côté, j'ai travaillé le jazz, le blues. Voilà, donc
Donc, le fait d'avoir travaillé aussi bien le classique que les musiques actuelles, en fait, ça m'a permis de voir quelle était la différence entre les deux. À partir de... Bon, c'est toujours do ré mi fa sol la si do, je vous rassure. On fait tous do ré mi fa sol la si do. Après, c'est l'approche qui n'est pas la même, en fait. Voilà, c'est l'approche. Et après, l'usage qu'on en fait dans le jazz ou dans le blues, c'est pour l'improvisation. Voilà, et dans le classique, c'est pour la maîtrise du morceau, c'est pour intégrer le morceau. C'est important aussi de comprendre les tonalités. Et puis, bien connaître son manche aussi, c'est important pour bien déchiffrer, pour maîtriser en fait cette guitare qui a plein de cases, il y a plein de cordes et on, il y a, voilà, des fois on s'y perd quand même hein, dans ces trucs-là. Et puis par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant. Moi, souvent en classique, enfin en classique encore une fois, classique ou musique actuelle, enfin bref, mais en classique, les élèves, par exemple, ils se un peu contrefichent de la tonalité. Dès qu'ils arrivent, ils prennent la C'est partition ça. direct et bam, c'est parti, on y va, on se balance dessus. Et c'est vrai que cette vision-là, quand même, elle est importante, en fait, dans, voilà, même quand on prend le répertoire Oui. classique. Et presque, il faudrait que dans la pratique classique, qu'on... Bah, dès le début, de dire tiens, sur la tonalité, faire une improvisation par rapport à la tonalité, ça permet de se mettre, bah, déjà de mettre les doigts au bon endroit, de se familiariser. Parce que là, les guitaristes classiques, souvent, c'est on y va, il manque la moitié des dièses, il manque la moitié ou des bémols, etc. Et c'est vrai que je pense que du coup, c'est une approche une approche je pense qu'il Bah faudrait qu'on oui. fasse plus, tout simplement. Bah oui, parce que c'est ça permet de maîtriser plus le morceau, d'être moins sujet au trou de mémoire aussi. Si tu comprends mieux l'harmonie de ton morceau, moi je vois les morceaux où des fois j'ai pas trop saisi pourquoi il enchaînait tel accord avec tel accord et tout ça. Et ben c'est toujours un point faible, c'est toujours un moment où tu peux avoir plus facilement un trou de mémoire ou des choses comme ça. Et donc le fait de renforcer ta mémoire avec ces connaissances-là, la connaissance de la tonalité, comprendre le morceau. Comprendre les notes que tu es en train de jouer aussi, tu n'es pas en train de jouer que des cases, tu joues des notes, ça change tout quoi, en fait. Et juste pour ceux qui sont en train d'arriver, je vois qu'il y a des personnes là, on a déjà 5-6 personnes qui sont là. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, moi je vais retransmettre à Fabienne parce que du coup, toi, pour tout voir en même temps, c'est compliqué. Donc en fait, Fabienne va, Oui, enfin, tu vas je gérer vois toi pas trop. Mais... ton, tu vas gérer entre guillemets, la session sur l'improvisation. De ce que tu Ouais. disais tout à l'heure, ça sera en 3 parties. Et donc à la fin de chaque partie, moi je retransmettrai toutes vos Voilà. questions. Donc n'hésitez Voilà. pas, voilà, je vois qu'il y a encore d'autres personnes qui arrivent, qui se connectent. N'hésitez pas à poser vos questions. Et salut à toi, Phil, salut, salut. N'hésitez pas à poser vos questions, à discuter aussi dans le chat. Moi je vais relayer ce soir, ça va être bien. Je vais faire mon job entre guillemets Voilà. d'animateur. Ouais, Gabriel. Au platine. Et du coup, n'hésitez pas, voilà, à écrire sur le chat, à poser vos questions, même pendant que Fabienne sera en train d'expliquer. Et moi, après, à la fin de chaque groupe enfin, de chaque comment dire, de chaque intermède, je te relayerai Chapitre. les voilà chaque partie, je te relayerai les questions du chat. Voilà. Donc, ne soyez pas timide. Le concept du live aussi, c'est que justement, vous puissiez poser les questions. Alors, il n'y a pas de mauvaises questions, ou voilà. Donc, que vous soyez, Non. le concept de la chaîne, c'est que vous soyez débutant et que vous vouliez apprendre la guitare, ou que vous soyez en cycle SP, DEM, ou plus avancé, peu importe. Je pense tout est intéressant. Et donc, ce soir, l'idée, c'est vraiment de mêler un peu tous les niveaux, tous les styles aussi. Donc, voilà. Si vous avez des questions, ne vous dites pas, oh là là, mais moi, je ne connais pas, etc. Osez poser vos questions sur le chat. Et puis au pire Pas de des cas, problème. Fabienne ne le voit pas de toute façon. Tu fais le tri. C'est ça. Au pire, je fais le tri. Bon, mais écoute, je pense qu'on a dans la présentation, on est bon. OK. Je vois qu'il y a déjà 6 spectateurs, donc à mon avis, on va pouvoir lancer. Et puis voilà, comme ça, OK. on te voit en grand. Est-ce que donc, encore une fois, pour le son, Phil et Sop, les 6 spectateurs, spectatrices, vous entendez bien au niveau de la guitare, de la voix? Alors,
entend bien? Voilà, donc On Nat nous entend dit tout c'est bien. super, le numéro de téléphone nous dit c'est super aussi. Bonjour, numéro de téléphone. Bonjour, Alors, numéro de téléphone. 06. Alors, voilà. Alors, Salut, je salut reprécise Marie-Christine. à Marie-Christine. Donc, je reprécise un tout petit peu pour ceux qui n'étaient pas là dans les premières minutes de la séance. Donc, on va travailler en fait la tonalité, les gammes, en partant de la pentatonique. Alors, pentatonique déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Une pentatonique, c'est une gamme qui a cinq notes. Voilà. Cinq sons en fait. Et ces cinq sons, on va essayer de voir comment on peut les utiliser pour faire un travail sur votre guitare, un travail de détente, un travail de connaissance du manche, un moment où vous improvisez avec votre guitare ou avant de commencer votre morceau. Que vous devez travailler pour la semaine, et ben, pour vous chauffer, vous pouvez commencer par improviser un petit peu, par faire quelques pentatoniques, parce qu'à la pentatonique, on verra, c'est très pratique. Et mettre en place en fait plein de choses, plein de réflexes qui vont vous faire progresser, quel que soit le morceau que vous allez jouer ensuite. Alors après, vous mettrez ça en concordance avec le morceau que vous jouez ensuite ou pas. Mais moi, ce soir, en fait, je vais vous proposer de travailler en fait les pentatoniques qui vont correspondre aux cordes graves, hein, aux cordes graves à vide. Donc on va voir ça par la suite. Dans un premier temps, on va essayer déjà de voir comment c'est fait une pentatonique. Ces cinq notes, comment elles sont faites. Alors, revenons à notre fameuse gamme majeure de Do majeur. Jusqu'à là, ça va. Voilà. Donc, une gamme, c'est, si vous voulez, une structure avec des tons, des demi-tons, ou même des un ton et demi. Hein, ça, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Ou. Voilà, avec une échelle. Et notre gamme majeure de Do majeur, on va prendre Do majeur parce que c'est celle qui est la plus simple, pas d'altération. C'est ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Et pour en fait obtenir une pentatonique, on va enlever les demi-tons. Et en fait, on va se rendre compte que la pentatonique, en fait, ça va être la charpente. On va avoir plus que la charpente de la gamme majeure. Et cette gamme majeure, elle sera pentatonique. C'est la pentatonique majeure. Donc pour enlever les demi-tons, qui sont en fait les tensions de la gamme majeure, c'est ce qui crée la tension dans la gamme, c'est le demi-ton. Donc c'est ce qui crée l'envie de résoudre sur Do majeur. Et cette tension, elle va être enlevée. Donc du coup, cette gamme majeure va devenir très facile. Très très facile. Donc, Do, Ré, Mi, je le garde ça. Parce que jusqu'à là, il n'y a pas de demi-ton. Le Fa, ben, je ne vais pas le jouer, le Fa. Parce que là, c'est là qu'il y a le demi-ton. Donc, je vais aller directement sur le Sol. Le La, je vais le jouer parce que c'est un ton, ça pose pas de problème. Et en fait, je vais enlever le Si, parce qu'autrement, ben, le Do, je ne peux pas l'enlever. Vu que c'est la tonique, donc j'ai enlevé le si. Il me reste do ré mi, sol, la, do. Et je redescends. Ça, c'est ce qu'on appelle la pentatonique majeure. Alors, il nous reste le premier degré, Do, le deuxième degré, Ré, le troisième degré, Mi,
J'ai enlevé le quatrième. Il reste le cinquième et le sixième. Et il n'y a pas le septième degré qui est la note sensible de la gamme majeure. Voilà. Donc, on n'a plus que ces cinq notes. En fait, ces cinq notes, je suis sûre que vous avez tous fait sur un piano le petit jeu de jouer juste avec le moignon de la main sur les touches noires du piano. Eh bien, la pentatonique, ce sont les touches noires du piano. Si vous jouez que sur les touches noires du piano, vous allez jouer en do dièse pentatonique majeur. Hein? Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, que cette pentatonique, c'est vraiment la charpente de la gamme majeure. Souvent d'ailleurs, quand on joue sur ces touches noires, ça a une petite sonorité asiatique. Voilà, parce que bien évidemment, c'est une gamme qui est beaucoup utilisée dans la musique asiatique. Je ne suis pas spécialiste de la musique asiatique, alors je m'arrête là. Et c'est une gamme qui est beaucoup utilisée aussi sur le continent africain. Donc eux, ils l'utilisent un peu différemment. Je ne suis pas spécialiste de la musique africaine, je m'arrête là. Et bien évidemment, vu que cette gamme est beaucoup utilisée en Afrique, elle est passée de l'autre côté de l'Atlantique et ça a permis en fait au blues de naître aux États-Unis et ça a influencé bien évidemment toutes les musiques actuelles derrière. Donc en musique actuelle, on utilise beaucoup beaucoup la pentatonique. Voilà. Voilà, jusqu'à là, je regarde si c'est pas trop de questions, je peux continuer. Oui, je vois qu'il y a pas mal. Il y a 11 spectateurs, donc il y a pas mal de monde qui vient d'arriver. Donc c'est bien, c'est chouette. Et non, à part 2-3 blagues dans le chat, tout va bien. Il y C'est a des bon. spécialistes de musique asiatique. Non, il y a des spécialistes de patates toniques, mais c'est tout. De patate tonique. Ah, pas mal. Bon. Donc. Cette pentatonique majeure, tout comme la gamme majeure, elle a sa relative mineure. Donc, tout comme la relative mineure de Do, eh ben, c'est la mineure, eh ben, en pentatonique, ça va faire pareil. Ça va être la mineure. Une gamme mineure. La pentatonique mineure est vraiment la plus utilisée. Elle est la plus pratique sur la guitare. Donc je vais ce soir vraiment rester sur la pentatonique mineure. Je vous ai expliqué la pentatonique majeure tout à l'heure. Mais c'est vrai que celle qui est la plus utilisée, bon, surtout en blues, en jazz, en rock, en soul music, etc. Ça va être la pentatonique mineure. Donc on va plutôt s'orienter sur la pentatonique mineure. Alors, vu que le La, c'est aussi notre corde à vide numéro 5, vous allez pouvoir utiliser la corde de La comme un bourdon en fait. Ça, vous allez vous accompagner et en même temps improviser. Donc du coup, ça va vous faire un petit exercice aussi, vu qu'on vous c'est quelque chose que vous pouvez faire au début de votre séance de travail. C'est quelque chose qui va aussi vous faire travailler un petit peu l'indépendance de la main droite entre le pouce et les doigts qui vont jouer sur les cordes aiguës, entre l'index, majeur, annulaire, etc. Donc votre pouce, lui, il va travailler, voilà, régulièrement. Vous allez partir sur une pulsation tranquille. Et puis, vous allez essayer de repérer après sur vos manches, votre manche, ces notes-là. Alors, je récapitule les notes hein, de la pentatonique de La, parce que tout à l'heure, on en a parlé en Do. Donc, en La, ça fait La, Do, Ré, Mi,
sol, là. Alors je redis, parce que ça, ce qui va être intéressant, c'est de rechercher ces cinq notes partout sur le manche. Donc ça sera le travail de la troisième étape du cours. Mais ce qu'il faut, c'est aussi faire travailler un peu les méninges, bien rechercher les notes à chaque fois de la pentatonique que vous voulez jouer. Et puis ensuite, essayer de bien vous repérer partout sur le manche et retrouver ces notes-là. Donc, je les redis, donc c'est la, do, ré, mi, sol, la. C'est pratique, il n'y a pas de dièse, il n'y a pas de bémol. Donc le principe sur la soirée, là, ça va être le principe, ça va être de repérer des notes qui n'ont pas de dièse, pas de bémol, c'est-à-dire de travailler que sur des notes non altérées. Et du coup, si vous maîtrisez bien votre manche et vous repérez vraiment sur toute la longueur du manche les notes non altérées, et ben après, lorsqu'il faut les altérer, c'est pas un problème, voilà. C'est plus simple. Donc sur la pentatonique mineure, c'est premier degré. Donc si vous devez construire votre pentatonique mineure, parce que là je donne les notes en la, mais si un jour vous décidez de la faire en sol, en ré, on va voir tout à l'heure en ré, mais en fa ou voilà dans une autre tonalité, il faut que vous ayez la structure de la gamme en tête. Donc là, c'est premier degré. Donc, quand vous allez construire votre pentatonique de là, vous partez premier degré, troisième degré. Voilà, parce que on va pas jouer le si. Du coup, ça fait un intervalle de une tierce mineure. Ensuite, vous allez jouer le quatrième degré à un ton. Ensuite, le mi à un ton aussi. Une tierce mineure au-dessus, le sol et le la. Donc on ne joue pas le si, on ne joue pas le fa. Pas de demi-ton. Donc la, do, ré, mi, sol, la. Lorsqu'on regarde la structure de cette pentatonique mineure, on va retrouver les notes de l'arpège mineur. Donc la, do, mi. Voilà. Ça peut vous aider si vous êtes à l'aise avec les arpèges. Dites-vous la, do, mi. Voilà. Je pars déjà sur les trois notes de l'accord mineur. On rajoute la septième. Attention, la septième là, elle n'est pas sensible. Hein. C'est la septième, elle est à un ton de la fondamentale ou de la tonique. Ça dépend si vous pensez accord ou tonalité. Mais la, do, mi, sol. Voilà, deux tierces en tierces en fait. Et donc ça me fait quatre notes. Et il me manque plus qu'à rajouter la note intermédiaire entre la tierce et la quinte, donc le ré. Donc bien évidemment, c'est une gamme qui va vraiment bien fonctionner sur un accord mineur. Et encore mieux sur un accord mineur 7. Parce que dans cette gamme, j'ai les notes de l'arpège. Donc, vous allez utiliser votre corde numéro 5 de là pour faire un bourdon, pour vous donner une pulsation. Alors vous avez deux possibilités, soit vous faites des basses régulières avec le pouce sur une pulsation, voilà, ou alors vous allez faire des petites phrases en improvisant et vous allez à chaque fois ponctuer avec la basse en laissant sonner la basse. Alors, on va démarrer comme ça parce que c'est plus simple. Au départ, c'est plus simple, on est dans ses doigts, on est dans ses cases. Donc vous jouez la basse avec le pouce et ensuite vous improvisez. Et à chaque fois, vous placez une basse. Voilà.
bon. Ça va aussi, vu que c'est un moment de chauffe, ça va aussi peut-être vous aider pour ceux qui ont peut-être un petit peu du mal à comprendre la phrase musicale, à comprendre dans un morceau comment est la mélodie. Ça peut vous aider aussi à développer un peu cette écoute de la mélodie et de comprendre la phrase musicale. Et vu que vous ponctuez à chaque fois avec des basses, comme ça, le fait de les improviser petit à petit, ça va peut-être développer et vous aider un petit peu au point de vue de la musicalité. Ça peut vous aider aussi vis-à-vis du son, etc. Vous pouvez soit jouer en butée, soit en pincée, peu importe, ça c'est à vous de voir. Voilà. Et ensuite, avec cette basse que vous jouez comme un bourdon, vous pourrez faire une pulsation régulière, ce qui va devenir un petit peu plus délicat, mais ce qui va du coup être un bon exercice rythmique pour improviser et garder vraiment la régularité de la pulsation, ce qui n'est pas évident parce que le pouce il doit rester régulier. Et avec index majeur annulaire, vous devez jouer des phrases par-dessus. Alors vous démarrez lentement en faisant des noirs. Hein. Ça peut faire l'objet d'un exercice plus approfondi par la suite où vous pouvez vous imposer de faire la basse à la croche, à la blanche, à la noire. Puis après, vous pouvez vous imposer des rythmes aussi à faire en improvisant. Dire, là, je vais faire des phrases avec des croches, là, je vais faire des phrases avec des syncopes, là je vais faire des phrases avec des croches doubles, croches de double, avec des quatre doubles. Voilà, on peut inventer plein de choses. Voilà, là, avant que je passe à peu près à la phase suivante, est-ce qu'il y a des petites questions? Non, il y a juste un commentaire de gratouilleur. Je me comprends bien l'intérêt de s'interdire des notes. Ben justement, justement. Alors, si tu veux, alors si on parle un peu improvisation, c'est pas trop le sujet du soir, l'improvisation, mais si on parle un peu improvisation, lorsqu'on démarre l'improvisation, lorsque on se trompe de note, tout de suite ça fait c'est horrible, je me suis trompée de note, et puis parce qu'on l'entend pas cette note, et en fait, au départ, on va partir de ces cinq notes pour ensuite construire son oreille aussi pour aller chercher des notes supplémentaires qui vont être même des chromatismes où on va rajouter encore plus de demi-tons, on va même se retrouver avec des gammes avec beaucoup plus que cette note. Mais en fait, quand tu progresses dans l'improvisation, un jour tu dis, mais en fait, je peux jouer toutes les notes que je veux sur cet accord. En fait, je peux jouer les 12 demi-tons. Si tu l'amènes bien, tu peux jouer les 12 demi-tons, aucun souci. Mais pour ça, il faut que la charpente soit solide. Donc, si ta charpente est solide, c'est-à-dire si lorsque tu joues un chromatisme ou lorsque tu fais des chemins un peu sinueux entre toutes tes notes, il faut toujours que tu saches où tu vas. Et pour savoir où tu vas, eh ben, il faut que ça soit quelque chose de solide et de simple. Voilà. Si tu veux que la charpente elle tienne bien, il vaut mieux qu'elle soit bien solide. Donc pour ça, il vaut mieux que ça soit simple. Et donc, oui, enlever des notes, oui, si. C'est bien d'enlever des notes pour ensuite rajouter les notes qu'il nous faut.
et mettre en valeur ces notes-là que tu vas rajouter par la suite. Donc, avec la pentatonique, tu vas pouvoir construire plein de gammes. Parce que souvent, on parle de la gamme majeure, de la gamme mineure, mais c'est très réducteur de parler que de la gamme majeure, même si tu parles des trois types de gammes mineures. Le monde de la tonalité est beaucoup plus vaste que ça. Et on passe à côté de tout le monde des modes grecs, les modes de la gamme majeure. Ça, c'est une petite blague que j'ai l'habitude de faire, donc du coup, elle sort quand je veux pas. Mais donc, les modes de la gamme majeure, ça te permet après de retrouver les modes des gammes mineures aussi, qui sont vraiment hyper intéressants. Mais ça, c'est quand on pousse un petit peu du côté de l'improvisation. Mais dans les choses que vous jouez, posez-vous vraiment la question, comme disait Gabriel tout à l'heure, dans quelle tonalité je suis en train de jouer? Je crois que c'est une question fondamentale. C'est la première chose qu'on doit faire. Et justement, vous allez des fois vous rendre compte que, mais je ne sais pas, c'est bizarre, cette gamme, elle ne sonne pas vraiment comme la gamme de Do majeur. Et après, vous allez vous rendre compte que c'est un mode. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des modes dorien, mixolydien, phrygien, éolien, mais moi en tout cas c'est mon pain quotidien. Donc voilà, c'est bien de repartir de la pentatonique, des cinq notes essentielles. Oh, faut pas dire ce mot-là en ce moment, mince, j'ai oublié. C'était le mot interdit, essentiel. C'est le mot qui fâche en ce moment. Donc, ces cinq notes qui sont importantes, et ensuite ça ouvre les portes à plein d'autres choses. Mais c'est pas à l'opposé de travailler sa gamme majeure. J'arrête pas de la faire, cette blague. Mais c'est juste une autre manière de travailler ces gammes, et du coup, bah, d'avoir un autre angle de vue, et puis d'ouvrir un peu des portes, quoi. Voilà. Je pense que ça répond bien à sa question. Et puis même dans le chat aussi, il y a Ben Voilà qui était venu sur un des lives, qui est professeur aussi, qui disait effectivement, c'est jouer avec un handicap, ça aide à trouver des idées dans un cadre. Donc, c'est ce que tu disais aussi, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir un cadre, ça permet après de pouvoir s'en éloigner. Mais si on commence avec rien, c'est compliqué de structurer Ouais. les idées de toute façon. Donc, c'est ce que tu. Alors, moi, par exemple, vu qu'on le cours là est aussi pour tous les niveaux, pour les débutants, la pentatonique, c'est du beurre. Hein. Voilà, hein. On peut leur faire jouer la pentatonique avec deux doigts et les cordes à vide. Moi, dès la première année, ils font une pentatonique. Ils entendent le mot dès la première année. C'est vrai que la pentatonique, moi, autant j'en parle dès la première année et jusqu'au cycle 3, où là, la pentatonique, elle peut devenir aussi un concept carrément de travail autour de l'improvisation, autour des modes, parce qu'après, dans le même morceau, on peut utiliser différentes pentatoniques. Donc là, on est sur quelque chose de très basique, mais ensuite, dans le même morceau, on va mélanger les pentatoniques. Et là, ça commence à devenir un petit peu plus casse-tête. Heureusement qu'il n'y a que cinq notes. Voilà, Oui, voilà. non, il y a juste une note qui nous dit oui, c'est le classique qui nous restreint dans le majeur et le mineur. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on a un Oui, c'est peu. surtout une certaine période, hein. C'est une Oui. petite période dans l'histoire de la musique, si on regarde. C'est une petite période, hein. Donc, voilà. C'est bien de s'ouvrir à d'autres choses. Ok. Alors, je vais continuer où là, on va transposer cette pentatonique en fonction de nos cordes à vide, donc dans les basses. Voilà, on va regarder ça d'un peu plus près. Ça, ce sera un petit chapitre assez court. Donc tout à l'heure, on était en La. Je rappelle les degrés. Premier de la pentatonique mineure, hein, on va bien rester en mineur. Premier degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième
cinquième degré et septième degré. 1, 3, 4, 5 et 7. Voilà. Donc, vous allez transposer la pentatonique de la qu'on avait tout à l'heure en mi pour jouer à la basse le mi grave. Je vous laisse 2 secondes à chacun le temps de réfléchir quelles sont les notes du coup de la pentatonique de mi mineur. Je laisse 2 secondes. Voilà, réfléchissez, comptez sur vos doigts. Allez, dans le chat, c'est parti, le ou la première carte. Allez. On met des points. Ah, ça me Non, ça prend. tombe bien, il n'y a que 7 degrés, on n'a pas besoin. C'est bon. Alors, Yeah. donc, Gilles nous dit ils ont dit sol. quoi? Non, j'ai juste Gilles qui nous dit sol. Voilà. Bon, il a trouvé le sol. Voilà. Donc, Oui. mi sol, je suppose qu'il y a le mi aussi. Ah, il en manque. Seulement? Oh! C'est pour réduire encore Il plus. n'y en a que 5 quand même. Mais ils n'ont pas envie de répondre. Donc, mi, sol, c'est bon. Voilà, Donc mi après sol la si la... ré. Il y a Gilles qui dit Voilà. mi sol la si ré. Et après Gilles il dit, il fait une petite impro, il dit la do ré mi. Bon, mi sol, la si, ré, et puis mi, sol, la, si, ré, mi, sol. Très pratique, la pentatonique de mi, c'est la préférée, hein. Pratique parce que lorsqu'on joue avec les cordes à vide, comme je disais tout à l'heure, on peut la jouer seulement avec 2 doigts. Donc moi par exemple, mes petits, je leur fais toujours commencer par les notes aiguës et on commence à poser le troisième doigt, donc après la deuxième corde. Et puis ensuite, sur les autres cordes, il faut qu'à chaque fois, il pose que le deuxième doigt. Donc c'est bien pratique. Et puis sur la grosse corde, il faut remettre le troisième doigt. Là, vu que les doigts, ils sont tout petits chez eux, ça fait... Voilà, ils sont arrivés enfin à la corde de mi grave. Donc ces 5 notes, le but, ça va être... Après d'aller les jouer sur toute la longueur du manche. Ça sera un peu le chapitre suivant. Donc lorsque vous allez jouer avec le mi, après vous allez improviser sur les cordes aiguës comme j'ai fait tout à l'heure en la. Donc je vous fais une petite démo. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la phrase musicale, ça, voilà, c'est, ça va vous apprendre aussi si vous avez du mal à respirer en jouant, si vous avez du mal à vous détendre, vu que là, il y a un côté plus peut-être spontané, plus libre en tout cas, lorsque vous jouez en improvisant, lorsque vous improvisez. Et du coup, ça va peut-être vous aider si vous avez du mal à respirer aussi entre vos phrases, à travailler les choses plus en rubato, si vous avez besoin de, voilà, de travailler ce point-là. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a toujours pas de dièse et toujours pas de bémol. Donc, on va... Si on travaille avec les cordes à vide, les tonalités des cordes à vide, on va petit à petit avoir quelque chose de solide sur les repères sur le manche, sur les notes qui ne sont pas altérées.
Et ceux qui ont du mal, peut-être dans le secteur du milieu du manche, qui n'ont pas trop l'habitude de jouer ici ou de jouer ici, on verra par la suite. Ça va peut-être aussi vous aider à vous familiariser à certains secteurs du manche où vous savez que vous avez toujours du mal, vous avez toujours du mal à savoir c'est quoi cette note qui est ici, c'est quoi celle-ci qui est là. Et voilà, si vous travaillez par petits secteurs comme ça, le manche de votre guitare, ben petit à petit, vous allez vous familiariser à ces notes-là et mieux connaître votre manche et bien évidemment, et ben, faire moins d'erreurs, progresser, être moins sujet aux trous de mémoire, comme on disait tout à l'heure, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on l'a vu en mi, on l'a vu tout à l'heure en la. Et la dernière corde à vide dans les basses, c'est le ré. Alors, ce qu'il y a, c'est que le ré, il n'est pas très grave, lui. Alors, on va mettre la corde de mi en ré, ça sera mieux. Exercice mental encore, on lance le concours de celui qui trouvera la pentatonique de ré. Allez, les notes de la pentatonique de ré. Je ne donne Allez, aucune indication, faut 3 secondes. débrouillez-vous. Après, ils ont tous répondu, mais après, tu vois. Ah, Allez, mais il y en le plus a qui ont rapide, des c'est claviers qui? plus lents. Ah, voilà, il y a eu un rapide là. Ré, mi, sol, la, si. Ah, il y a une faute. Alors, Gilles, les notes de ton accord. Il y a deux fautes même, en fait. Les notes de ton accord, Gilles. N'y a pas de note avec I dans la pentatonique mineure de ré. Voilà, donc Ré, Fa, Sol, La, Do. Ah, voilà, c'était Voilà, précipité. Gilles. Voilà, donc Ré, Fa, Sol, La. Alors si je mets, là je fais exprès de ne pas mettre des effets, c'est pas l'envie qui me manque, mais je peux faire des petits glissés aussi si je veux, mais bon. Là après ça va vite sonner. Blues. Là, j'ai placé une petite note par exemple hors pentatonique. C'est une note blues. Voilà, parce que dans le blues, en fait, on va partir de la pentatonique et ensuite on va rajouter des chromatismes entre ces notes-là. Donc les demi-tons qu'on a enlevés, on va en rajouter en fait. Et ces notes-là, eh ben, elles vont créer des tensions. Différentes et c'est vraiment les tensions typiques qu'on entend dans le blues, quoi. Donc bon, ouais, je reste pas trop là-dessus, c'est pas trop le sujet de la soirée. On peut aller chercher bien dans les aigus. Donc, encore une pentatonique sans dièse et sans bémol. Si on regarde de près, la différence entre la pentatonique de La et la pentatonique de Mi mineur, hein, je parle que du mineur là, ben, en La en fait on a un Do et ce Do il est transformé en Ré quand on est en Mi. Donc ça après ça peut être un petit jeu aussi assez marrant, c'est de changer de basse et à chaque je change de basse, je change de pentatonique, et là ça commence à être une belle gymnastique mentale.
et de doigts aussi, et de connaissances du manche, etc. Bon, alors vous allez dire, c'est pas très compliqué, il faut juste bien repérer le do et le ré. Voilà. C'est-à-dire qu'avec le la, vous ferez un do, et avec le mi, il y aura un ré qui va apparaître à la place du do. Il faudra jouer un ré à la place du do. Et la différence entre la mineur et ré mineur pentatonique, ben, en la, vous avez un mi, et en ré, ben, ce mi sera transformé en fa. Voilà. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que le fait qu'il y ait une seule note qui change, il faut être aussi dans le contexte, une tonalité, c'est aussi savoir toujours où est le 1. Voilà. Savoir où est la tonique, c'est très important. C'est comme dans le rythme, il faut toujours savoir où est le premier temps. Donc, du coup, forcément, le deuxième, le troisième, le quatrième, le douzième, voilà. Mais pour les notes, c'est pareil, il faut repérer vraiment à chaque fois la tonique, parce que lorsque on veut conclure une phrase, il faut revenir sur cette note-là. Ça reste la tonique, donc la note importante de cette gamme. Donc, on va remettre en mi. Pour ce petit chapitre, je crois que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que vous Pas avez des trop de choses différentes par rapport à tout à l'heure. questions? Il y avait une question qui remonte que je n'ai pas citée tout à l'heure. Gratouilleur disait, les gammes grecques ne sont-elles pas des dérivées de la gamme majeure? Alors, c'est une vision intéressante. Alors, les modes grecs ont existé avant la gamme majeure, quand même. Hein. Remettons dans le contexte chronologique, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est juste parce que, en fait, c'est un héritage, en fait, de la période où on a utilisé énormément la gamme majeure. Qui fait que maintenant, on parle, comme je disais tout à l'heure à Gabriel, notre référence, c'est la gamme de Do majeur et de La mineur. Ça, sans contexte, ça reste les deux gammes de référence dans notre musique occidentale. Ça va de soi. Ça va de soi. Mais bien évidemment que les modes grecs sont. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les modes de la gamme majeure. Donc, mais ça, c'est une vision, en fait. C'est une approche des modes. Actuellement, on explique les modes comme ça. On explique les modes de la gamme majeure en partant de Do majeur. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, dans ceux qui sont là ce soir. Voilà. Mais voilà, si je joue la gamme de Do majeur. En partant de Do, ben, ça me fait la gamme majeure que l'on connaît, mais en fait, c'est un petit peu un abus de langage. On devrait dire le mode ionien. En fait, la gamme majeure, c'est un mode grec. Voilà. C'est juste que c'est devenu le mode à la mode, quoi. Voilà. Je fais des jeux de mots dans ça. Donc là, ce mode-là, c'est pour moi, c'est du ionien. Voilà. C'est pas forcément la gamme majeure, parce que il y a plein de modes majeurs. Il y a le mode ionien, après il y a le mode lydien. C'est si vous gardez les notes de la gamme de. Je m'égare un petit peu là, mais j'en parle un petit peu quand même. Vous gardez en fait les notes de la gamme de Do majeur, mais vous partez du Fa. Voilà, donc. Intéressant, c'est que ça commence par le donc ça c'est un autre mode majeur, le mode mixolydien qui est très 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 utilisé. Voilà, donc il y a à l'intérieur déjà de la gamme dite majeure, il y a trois autres modes majeurs, et puis il y a aussi les modes mineurs. Tous les autres. Donc,
Donc voilà, c'est une vision des choses. C'est que maintenant, voilà, quand on parle de la gamme majeure, on parle du mode ionien, mais la gamme majeure est en soi déjà un mode grec. Voilà. Voilà. Faudrait pas dire gamme majeure, faudrait dire le mode ionien. Ça serait plus adapté. Et le mode de la mineur, enfin le mode de la mineur, la gamme de la mineur, c'est le mode éolien. Voilà, qui vient du vent, éole. Donc le éolien, la gamme mineure au départ, voilà, c'est comme si je jouais la gamme de Do majeur en partant du La. Vu qu'on a voulu donner l'importance à cette tonique de La, ensuite on a rajouté le Sol dièse, voilà, et puis ensuite le Fa dièse. Ça nous a fait ces différentes gammes mineures qui ont apparu par la suite. J'ai Gratouilleur qui a écrit un Mais énorme voilà. message et du coup il a été. Je l'enlève, excuse-moi Gratouilleur. En fait, c'est parce que j'avais mis ça, j'avais mis un bot, un ordinateur pour éviter les spams et t'as dû écrire un message trop long et du coup il s'est fait bannir de... il s'est fait bannir du live. Du coup, il y a Gratouilleur qui a écrit un gros message et il s'est fait enlever par le bot. Il s'est fait bannir parce que le message était trop Non. long. Donc si jamais Faut tu l'écrire un as. petit bout. Non, non, mais c'est bon, Je m'en fous. j'ai enlevé le bot. Parce que quand je suis tout seul, je mets un bot au cas où, parce que je ne peux pas gérer l'ordinateur en même temps. Mais excuse-moi, Gratouilleur. Si, du coup, tu peux. J'ai enlevé le bot, donc tu peux réécrire ton message. Et désolé d'avoir été banni pendant une seconde. Faut pas parler trop longtemps. C'est ça. Non, mais c'est bon, j'ai enlevé le bot, donc si tu peux réécrire ton message. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Peut-être qu'il ne faudrait pas que je l'enlève le bot, mais bon. Mais oui, non, c'est. Vas-y. C'était plutôt bien en fait. Je sais pas, on va voir. Mais c'est vrai que voilà, c'est. donc après, ouais, Non, j'allais dis-moi. dire, c'est du coup, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'en classique, on les utilise pas. Enfin, on devrait les utiliser plus fréquemment, en fait, tous les modes. C'est vrai qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas si souvent que ça, alors qu'il faudrait les travailler. Ben oui. Entre. Oui, oui, bah après, il y a différentes démarches, hein, voilà. Bon, on peut pas tout faire. Du coup, je ne me rappelle plus de mon idée de génie. Ah, ça l'a inspiré. Bon, oui, c'était un éclair, quoi. Ouais, ça n'a pas plu au bot en tout cas, mais si ça revient. Si ça revient, n'hésite pas, c'est bon. Bon, oui, ça va, ça, voilà. Si ça valait le coup, ça va revenir. Autrement, c'est que ça valait pas le coup. Bon, donc du coup, je vais continuer. Donc après, la troisième étape, c'est vraiment d'utiliser ce travail autour de la pentatonique pour connaître les notes de son manche. Donc, on peut le travailler de deux manières, le manche, ça c'est évident, soit dans l'horizontalité, soit dans la verticalité. Donc, dans l'horizontalité, forcément, on va être sur des déplacements et on peut jouer cette gamme pentatonique sur une seule corde. C'est intéressant parce que ça oblige, ça permet de voir un peu les choses différemment plutôt que de le voir, on verra ensuite dans la verticalité. Donc si on repart de notre pentatonique de Mi mineur, Mi, Sol, La, Si, Ré, Mi. Donc, je vais pouvoir en plus utiliser la corde de Mi aigu en tant que corde à vide aussi. Hein. Ça va vous permettre en plus de faire des petits effets, de travailler aussi des petites liaisons.
Et vous allez toujours utiliser les cordes graves pour faire le bourdon. Ça permet de travailler le démanché. Voilà, des fois certaines personnes ont vraiment des difficultés avec le démanché. Là, ça va vous obliger à déplacer, de trouver le bon geste, de trouver la souplesse du bras, de la main, de repérer hop, là où vous voulez y aller avant d'y aller. Vous pouvez aller après le plus haut possible. Aussi bien je travaille en pincée qu'en butée d'ailleurs, ça peut vous faire des exercices différents. Donc, non seulement, alors déjà, on va travailler, vous voyez, sur toute la longueur de la corde et aller chercher jusqu'à la 15e, Fabienne, on a un petit 17e souci de. case, On a toutes les juste. notes. Donc, Excuse-moi, ça peut être intéressant. je te fais une mini coupure. On a un petit souci des Ouais. fois de connexion. Je pense que c'est de ton côté. Je sais, ça doit. Il y avait un petit. Du mien d'ailleurs. Des petits soucis de Ça lag. coupe. Ou légèrement, ouais. Il y avait un petit. Au niveau du réseau. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous entendez toujours Fabienne comme il faut? J'ai eu des petits accès, mais. Ça. Toi, tu m'entends comme il faut? Ouais, je sais pas si tu m'entends T'as eu des bien. coupures de ton côté? Ouais, Moi, je t'entends bien, ouais. Alors, est-ce que dans le chat, vous êtes toujours là? C'est revenu. Ah, tu vois, on a eu un. Alors c'est On était parti, là. à quel moment? Non, non, mais je pense que du coup, Attendez. c'est le stream qui a planté ou c'est juste que ça a ramé? C'est bon pour le son. Ok, je pense qu'il y a eu C'est des. l'image qui suivait pas? Ouais, ça a l'air de revenir à peu près, je crois. Ça a l'air d'être bon. Ok. Ça a l'air. Bon. Ouais, c'est bon. Ça marche, excuse-moi. Ok. Donc voilà, donc ce que je disais, si jamais à ce moment-là vous étiez pas, vous l'avez pas entendu, vous n'étiez pas là, ça va vous aider aussi à travailler les déplacements sur le manche. Et souvent, en fait, en plus sur la pentatonique, on joue avec le 1 et le 3. Donc ça va vous permettre de négocier des déplacements. Avec le troisième doigt et le premier doigt. Donc des fois vous glissez avec le premier doigt, des fois avec le troisième. Voilà, donc comme je disais, le principe de ce travail-là, c'est un exercice de chauffe aussi, avant de démarrer les morceaux ardus et tout ça. Donc, c'est pour travailler la détente, travailler la souplesse, la musicalité. Donc, là, le travailler sur l'horizontalité, c'est très intéressant. Puis après, vous le faites sur la corde numéro 2, hein. Donc, il faut bien les repérer, ces nouvelles notes. Ah. Ah. Et puis après, sur l'accord numéro 3. Puis, petit
petit à petit, vu que vous commencez à maîtriser bien les notes de cette pentatonique en mi mineur sur la corde 1, sur la corde 2, sur la corde 3, bah vous pouvez associer deux cordes. Donc la corde 1 et 2, par exemple. Donc petit à petit, ça va commencer. Donc là, du coup, ça commence à être intéressant et ça commence à creuser un petit peu la connaissance du manche. Aussi, ça va vous aider pour petit à petit maîtriser tout ce qui se passe sur les trois cordes aiguës. Après, vous pouvez aussi associer la corde 3 avec la corde 2. Là, on est sur un travail de connaître les notes sur votre manche, sur l'horizontalité, travailler en fait sur l'horizontalité. Après, il y a une étape. L'étape suivante, c'est de travailler sur une zone en fait du manche et travailler en verticalité. Alors, lorsque j'aborde aussi la pentatonique avec mes élèves, je leur parle beaucoup de doigté et de schéma. Voilà. Donc, le schéma dans une gamme est important aussi. Ça permet de maîtriser le doigté. Donc, moi, j'ai toujours ce discours-là. Hein. Je dis qu'il faut toujours mettre un maximum d'outils dans sa valise. Donc, dans ta valise, si tu connais déjà bien tes notes sur le manche, c'est une bonne chose. Si en plus tu maîtrises bien les doigtés, c'est une bonne chose. Si en plus tu as une bonne oreille, c'est une bonne chose. Si en plus tu maîtrises le rythme, c'est une bonne chose. Il faut mettre un maximum d'outils dans sa valise. Après, selon les besoins, eh ben, tu sortiras l'outil qu'il faut. Donc, lorsque vous avez travaillé dans l'horizontalité, on pensait les notes. Là, on peut travailler. Alors, je suis toujours assez prudente avec les élèves parce que là-dessus, parce que vite, ils jouent des cases et plus des notes. Et ça, par contre, c'est un truc, moi, je j'aime pas trop. Mais parler un peu schéma, ça fait pas de mal. Alors, dans les pentatoniques, lorsque peut-être vous avez eu l'occasion de voir des tutos, des choses comme ça, qui passaient à gauche, à droite, ou des bouquins qui font travailler les pentatoniques en donnant cinq schémas. Ces cinq schémas, en fait, c'est cinq zones sur le manche. Hein, donc le manche qui est divisé en cinq parties. Et moi, je trouve que de travailler les cinq schémas d'un coup, c'est très laborieux. Les élèves, il faut attendre de nombreuses années pour qu'on aboutisse à quelque chose qui n'est pas forcément hyper intéressant. Moi, aux élèves, je leur fais travailler deux schémas pour faire les pentatoniques. Alors, quand je parle de schéma, c'est par exemple, revenons en la. Ça sera plus simple, comme ça je serai au niveau de la cinquième case. Peut-être que vous verrez mieux, plutôt qu'en mi où il y a des cordes à vide. Je vais mettre un tout petit peu les cordes à vide de côté pour l'instant, vu qu'on parle de verticalité et de schéma et de doigté. Voilà. Et il ne faut pas qu'il y ait des cordes à vide au milieu de ça. Donc on va revenir sur la pentatonique de la, do. Donc on avait fait la, do, ré, mi, sol, la. Hein. Voilà. Et là, donc je viens faire un schéma qui part avec la tonique sur la sixième corde, c'est-à-dire le la sur la cinquième case. Donc voilà. Donc moi, ce schéma-là, j'appelle ce schéma 6-1. 6-1, ça veut dire que sous mon doigt 1,
Je dois avoir la tonique, donc le la, en ce qui nous concerne, et sur la sixième corde. Donc ce schéma, vu que je vais pouvoir ensuite le transposer, et c'est là que ça va être très pratique, hein. Alors on voit beaucoup ces schémas-là partout, à gauche, à droite, sur Internet, sur les bouquins. Donc au début on démarre par la tierce mineure, donc ça va faire premier doigt, quatrième doigt. Puis après on va avoir une suite de 1, 3, 1, 3, 1, 3, parce qu'il y a beaucoup de tons dans cette pentatonique. Et après on finit par le premier, quatrième, premier, quatrième. Donc ça, c'est vrai que lorsqu'on travaille la pentatonique mineure sur une guitare, voilà, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper à ce schéma-là. Donc dessus, en plus, ça va couler de source. Ça va permettre d'aller plus vite, et bien sûr, vu qu'il n'y a pas de déplacement de main, ça va permettre de jouer plus vite. Donc après, vous pouvez refaire ces bourdons avec votre pouce sur les cordes à vide graves, et puis appliquer ces schémas-là dans la verticalité en fait. Souvent, c'est des schémas qui sont très symétriques. Donc, par exemple, vu que là, je vais jouer la corde de la en corde à vide, ça va faire schéma 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4 pour faire sol, la, do, ré, mi, sol, la, do. Voilà, mon la est au niveau de la quatrième corde sur la septième carré. Premier schéma, c'est vraiment le premier schéma qu'on apprend la pentatonique, c'est celui-ci. Schéma que moi j'appelle 6-1, 1-4, 1-3, 1-3, 1-3, 1-4, 1-4. Vous voyez, pour que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'années de guitare, il peut déjà bien s'amuser, et ça fait du coup un schéma qui est très simple, très basique, et en plus sans danger, on va dire. Pour heureusement, faire des fausses notes, c'est pas dangereux pour la santé, mais sans danger, c'est-à-dire vu que on a passé les demi-tons, qui sont toujours un petit peu les notes difficiles à entendre, et ben dans un premier temps, ben ça permet d'improviser et de faire en sorte que ça sonne. En plus, ça sonne même si je maîtrise pas vraiment l'improvisation. Voilà. Donc bien sûr, si on le fait en la, on peut le faire en mi, en ré, etc. Voilà. Alors, vu que on était en la mineur, je vais peut-être je réfléchis. Après, je vais avoir des cordes à vide ici. Ouais. Après, je vais revenir en mi mineur. Excusez-moi de passer de l'un à l'autre, mais après, petit à petit, c'est ce qu'il faut faire aussi, hein. C'est être à l'aise au moins sur ces 5, 3 tonalités, c'est-à-dire sur la tonalité la, mi et ré, et arriver à jongler entre ces trois pentatoniques, être à l'aise avec ces trois pentatoniques de base, et puis après s'aventurer dans les autres tonalités aussi, c'est intéressant. Mais du coup, après, vous ne pourrez plus jouer les cordes à vide, mais bon, voilà. Vous improvisez dans une tonalité sans qu'il y ait de basse, c'est pas grave. Donc,
Vous avez vu ce premier schéma en là, qui est le schéma 6-1. Et le deuxième schéma, moi je trouve intéressant à travailler en pentatonique pour la position en verticale, c'est lorsqu'on va démarrer sur la cinquième corde avec le doigt 1. Donc c'est le schéma 5-1. Je ne sais pas si vous avez compris comment je nommais les schémas. Hein. Oui, ils ont Je compris, ils ont nomme, bien. voilà, je nomme d'abord la corde, donc 6 ou 5. Et après, le doigt de départ, voilà, parce qu'après, ça change forcément le doigté. Donc là, je vais partir en schéma 5-1 en mi. Donc je vais chercher sur ma cinquième corde le mi. Je vais arriver à la septième case. Voilà. Ce schéma-là, il est un petit peu différent de l'autre, mais il ressemble. Il ressemble, mais il y a une petite différence. Il va démarrer pareil que le 6-1 en faisant 1-4. C'est normal, ça démarre par une tierce mineure, donc voilà, ça ne va pas beaucoup changer. Ensuite, ça va être 1-3-1-3 parce qu'il y a la. Voilà, comme sur le schéma 6-1, on a à chaque fois un ton. Sauf quand on change de corde. Voilà. Mais là, ce qui arrive, eh bien, à chaque fois, hein, c'est cette petite différence qu'il y a entre sol et si. Donc, quand on va basculer sur la deuxième corde, il va falloir se décaler d'une case. Donc, j'étais à la septième case, en position sur la septième case ici, avec mon doigt 1. Et ensuite, je vais aller chercher le sol avec mon doigt 1 soit en déplaçant ma main, si je veux le faire avec le 1-3, soit en le faisant avec le 2-4. On va le faire avec le 2-4, comme ça évitera un déplacement de main. Et lorsque je vais revenir sur sur la corde 1, je vais faire 1-4, comme pour le schéma 6-1. Donc si je récapitule, ça fait 1-4, 1-3, 1-3, 1, voilà, deux fois, 1-4. 1-3, 1-3, le petit décalage d'une case, voilà, où j'ai toujours l'écart d'un ton, et 1-4. Voilà, j'ai l'arpège de mi mineur ici, c'est pour ça que j'ai ce décalage. De déplacement, je travaille pas du tout le démanché, au contraire je vais avoir une vision géométrique de mon doigté et c'est pas parce que je pense schéma que je pense pas note hein. Ça c'est une chose voilà, où il faut beaucoup insister voilà, donc on pense le doigté 1-4, 1-3, 1-3 décalage d'une case 2-4 1-4. Je pense doigté, mais ça n'empêche pas de penser les notes. Mi, sol, la, si, ré, mi, sol, la, si, ré. Mais dans tous les cas, si vous faites aussi le travail sur l'horizontalité, voilà, c'est juste, ça va se faire facilement parce que déjà, vous allez maîtriser ce qui se passe sur les trois cordes aiguës. Voilà, donc ça, forcément, ça fonctionne. Des petites questions? Non, bah en fait, ça, t'as répondu aux questions pendant que tu parlais, donc. Ah, Hey, la alors voilà. classe. Ah, mais même pas besoin, tu vois, Hey, télépathie, tu vois, même même pas pas. besoin des trucs. Je vois qu'il y a encore une dizaine de Ouais. personnes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que tu viens de dire par rapport à. Ouais. Mais du coup, c'était. Je ne sais pas quelle heure il est, combien de temps il nous reste, si. C'est juste, après, moi, j'ai pas de délai. Enfin, après, si tu veux, si on a un quart d'heure, voilà,
faire encore une longueur si t'as voilà. C'est en fonction de ta fatigue. Moi ça va, ce soir pour une fois je suis tranquille, ce qui m'arrange plutôt bien. Donc c'est toi qui comme tu veux, c'est toi qui veux. Non, mais là, après, je vais juste conclure un petit peu comment on va pouvoir, lorsqu'on a travaillé sur l'horizontalité et sur la verticalité du manche, comment on peut combiner ça, en fait. Voilà, pour conclure. Donc, avec ces deux schémas qu'on a travaillés, ça va permettre de jouer aussi bien sur les cases. Dessous la cinquième case hein, sur le haut du manche. Donc vous allez pouvoir appliquer ce je vais rester en mi hein. Je vais pouvoir appliquer mon schéma 6-1. Ici en mi. Alors vu que j'ai les cordes à vide forcément mon doigt 1 il fait rien, il est en repos. Au lieu de jouer le doigt 1, je joue les cordes à vide, donc très pratique. Ce schéma qui est ici en haut du manche, je vais le retrouver à la 12e case, c'est-à-dire voilà, ici où c'est pas évident de jouer. D'accord? Donc sèche, c'est pas pratique. Sur une guitare électrique, on a l'impression d'être au milieu du manche. D'ailleurs, on est un peu au milieu du manche encore. Donc, du coup, ce schéma que j'ai avec les cordes à vide, je vais le retrouver forcément à la 12e case. Donc, ça va pouvoir aussi bien me permettre de jouer dans les graves et dans les aigus. Et puis, le schéma qu'on a vu tout à l'heure, à la septième case, il va être intermédiaire, il va me permettre de jouer au milieu du manche. Ce qui fait que je vais pouvoir jouer ici, je vais pouvoir jouer ici, et je vais pouvoir jouer ici seulement avec deux schémas. Ce qui est pratique parce que j'ai travaillé deux schémas, et je vais pouvoir avoir une palette sonore qui va être intéressante déjà. Voilà, c'est d'où l'intérêt de travailler ces deux schémas qui sont sur deux secteurs assez éloignés sur le manche, en fait, hein. Donc si je démarre avec la tonique sur la sixième corde, voilà, puis après la tonique sur la cinquième corde, voilà, y a un bel écart. Et puis de nouveau, je vais retrouver ma tonique sur la sixième corde à la 12e case. Donc ça, c'est mes repères, hein, par rapport aux cordes graves et par rapport à ces schémas-là. Donc déjà, ça me permet d'être sur trois secteurs bien différents et d'avoir une belle palette sonore déjà. Et je vais combiner ce travail sur la verticalité du manche avec le travail d'horizontalité qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais par exemple utiliser la corde 1, la corde de mi aiguë, comme une rampe. C'est-à-dire, ça va me permettre de passer de ce schéma-là au schéma intermédiaire qui est le schéma 5-1, c'est celui qui au niveau de la septième case. Et puis je vais utiliser encore cette corde 1 comme une rampe pour aller jusqu'à la 12e case. Et puis je vais pouvoir redescendre, repasser par le schéma intermédiaire à la septième case. Ça va amener du liant en fait, parce que si je saute de ce schéma-là à celui-là, ça va faire ouh, ça va faire d'un coup, on va faire un bond, ouh, tiens, il passe du grave à l'aigu comme ça, pourquoi pas. Tandis que là, c'est ça qui est intéressant après,
c'est de bien repérer ces notes-là sur tout le manche, en fait, hein. Là, on a fait un gros travail de repère de notes sur tout le manche. Alors, bien évidemment, ça se fait progressivement. Le mieux, c'est de se donner une chose à faire sur une semaine. On se dit, bah, cette semaine, je vais travailler la pentatonique de mi seulement dans l'horizontalité. Voilà. Un seul objectif et tenir le cap. Si on voit qu'au bout d'une semaine, ça marche bien, à la semaine d'après, on passe soit dans une autre tonalité, en la, en ré, soit on décide de le faire plutôt sur la verticalité, parce que la semaine d'avant, on l'a fait sur l'horizontalité. Voilà. Le mieux, c'est peut-être se noter de semaine en semaine ce que vous avez fait, pour après avoir un peu une photo sur un mois, 2 mois. Je dis, tiens, bah, qu'est-ce que... Voilà, bah, je vois qu'en fait, sur les 2 mois, j'ai beaucoup travaillé la pentatonique de mi. Donc, bah, maintenant, je vais commencer à travailler celle de la. Voilà, je donne des temps comme ça, mais peut-être pour certaines personnes, ça semble voilà, tellement facile qu'ils vont se dire, mais 2 mois sur une pentatonique, c'est pas possible. Mais attention, c'est juste un exercice de chauffe. Donc, vous faites pas ça pendant 4 heures. Donc, si vous faites ça, 10 minutes, un quart d'heure, alors les premiers temps, ça prend un peu du temps, donc on y passe un peu plus de temps. Mais après, lorsque la machine est en marche et que ça fonctionne bien, on a moins besoin d'y passer du temps. Et quand on a un peu plus de facilité, le but, c'est d'y passer voilà, une dizaine de minutes juste pour se chauffer, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est sur ça que je voulais finir pour aujourd'hui. Après, il y a beaucoup de choses à faire. Savoir ben, l'ouverture que ça peut donner sur d'autres gammes. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu du blues. Il y a aussi, ça donne la possibilité de faire des gammes blues. Alors, comme je disais tout à l'heure, là, on va rajouter des chromatismes. D'en mettre un peu beaucoup là, hein, des chromatismes, mais du coup, dans le blues, eux ils vont rajouter des notes supplémentaires pour rajouter des chromatismes. Petit à petit, il faut se familiariser à ces nouvelles notes pour bien les placer. Donc, ça amène une ouverture vis-à-vis de ce type de gamme là, et puis par rapport au travail sur les modes grecs, comme on parlait tout à l'heure. Moi, je pars toujours des pentatoniques pour faire travailler les modes grecs. Parce que, par exemple, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu sur les modes grecs, pour travailler le mode dorien, qui est un mode mineur, je pars d'un pentatonique mineur et je rajoute les 2 notes qu'il faut. Je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que c'est un chapitre très large, pour obtenir ma couleur du mode dorien. Donc, je vais partir par exemple de la pentatonique de Ré. Et je vais rajouter les 2 notes. Là, je vais mettre l'accord de mi en Ré, ça sera joli. Comme ça, je pourrais conclure là-dessus. Thank you.
là, j'étais dans un mode dorien, par exemple, et dans ma charpente, c'était la pentatonique mineure de Ré, et je rajoutais mes deux notes qui faisaient que ma couleur de ma gamme était pas une couleur de pentatonique, mais de mode dorien. Voilà, c'est toute une démarche. Voilà, j'espère que. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y avait Gilles qui nous a posé une question, mais du coup, tu y as répondu. Enfin, je pense, Gilles, tu as eu ta réponse, qui faisait le schéma sur le do, bah, du coup, hein, sur la sixième. Hein, quand tu es en dixième case, du coup, tu vas pouvoir faire le schéma, puisque du coup, tu as le do sur la six, la sixième corde, et puis pareil sur la cinquième, après, hein, sur la cinquième corde. Donc, ce que tu expliquais tout à l'heure, hein, bah, tout simplement, tu retrouves ta tonique sur la corde, et puis du coup, bah, tu fais ton schéma en fonction de Voilà, ça. tu appliques ton schéma. Donc moi, aux élèves, je leur fais un petit schéma, ils ont leur schéma et tout. Et ils appliquent leur schéma, même s'ils ne maîtrisent pas les notes, parce qu'à un moment, il faut se lancer. Donc ils commencent déjà par faire le schéma et après, on essaye de prendre du temps, d'analyser ben, quelles sont les notes que j'ai sous les doigts, du coup. Donc généralement, ça prend un peu du temps. Au départ, il leur faut remonter sur la corde à vide, nan, 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 nan. Donc au début, c'est toujours un peu laborieux. Mais après, petit à petit, ça se fait de plus en plus vite. Voilà, ben, comme un schéma de gamme majeure, hein, tu appliques après ton schéma voilà, en partant sur la bonne Après, j'ai une tonique. question un peu plus compliquée qu'on a répondu au début, mais bon, c'est gratouilleur. Le bot, il n'a pas banni ce coup-ci. Non, il y a gratouilleur qui demandait en quoi peut-on l'appliquer au classique. Du coup, c'est un vaste débat. Donc, on en a parlé quand même au tout début. Après, c'est vrai que ça dépend aussi, je pense, gratouilleur des niveaux. Par exemple, là, toi, tu poses cette question-là parce que toi, comment dire, c'est de base, tu connais bien le manche, tu connais donc du coup. Pour des élèves qui ont plusieurs années de guitare, même jusqu'au troisième cycle, il y en a vraiment qui ne connaissent pas bien leur manche, le milieu, enfin voilà, dans les suraigus et tout. Et donc, ça, déjà, rien que la connaissance du manche, c'est intéressant. Après, si on reprend par rapport au classique, par Manuel Barrueco, il travaille 1 à 2 heures par jour ses gammes. Et je pense que les gammes comprennent des gammes, entre guillemets, majeures, mineures, enfin, voilà, les modes grecs comprennent la gamme pentatonique. Après, dans tous les cas, c'est le support, mais à partir de ce support-là, on peut tous travailler de toute façon sur la position de la main gauche, le travail de la main droite, et faire le même travail, en fait, que ce soit sur une gamme, entre guillemets, plus classique ou plus pentatonique. Enfin, je me permets de répondre Oui, tu as raison. pour toi, mais donc voilà, que ce Oui, soit oui. au niveau de la position des mains, mais aussi au niveau du travail aussi d'écoute, comme tu disais. Et puis après, on le disait avant le live, mais il y a aussi le travail de votre mémorisation sur les morceaux ou le fait de travailler vos gammes. Donc là, c'est plus au sens large, mais travailler vos gammes et vos tonalités, ça vous permet aussi de mieux structurer la mémorisation de vos morceaux, puisque du coup, ça, c'est un vaste débat aussi. Et c'est vrai qu'on ne travaille pas suffisamment par tonalité, donc par mémorisation de schéma et de gamme, ce qui fait que ça permet de mieux se souvenir aussi des enchaînements dans les morceaux. Donc, Oui. De toute façon, la compréhension de ton morceau ne peut que t'aider à ensuite à mieux intégrer le morceau et voilà, d'être plus solide que ça, c'est sûr, de mieux l'interpréter, etc., quoi. Mais après, à proprement dit, dans le répertoire, directement, oui, la pentatonique, il n'y a pas spécialement dans le répertoire classique, la pentatonique brute, mais ça reste quand même la charpente de la gamme majeure et de la gamme mineure. Du coup, tu réponds à la question qui vient juste d'être posée par Nat, qui dit, à part le blues, enfin, tu réponds non, mais quels sont les styles de musique qui utilisent ces gammes? Voilà, Oui. Oui, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on l'entend un petit peu dans la pentatonique, hein, c'est beaucoup utilisé dans la musique asiatique. Mais je n'y connais rien en musique asiatique, donc il faudra faire venir un spécialiste de musique asiatique après, Gabriel. Et puis, voilà, c'est aussi beaucoup utilisé dans la musique africaine. Et puis voilà, c'est peut-être dans d'autres répertoires, mais bon, j'ai pas fait plus d'études et de recherches là-dessus. Et après, c'est sûr que par rapport aux musiques actuelles, c'est primordial de travailler ces gammes-là. Tu peux pas faire du blues
sans avoir travaillé cette gamme-là. Là, c'est indispensable. Ça, c'est indispensable. De travailler la pentatonique, ça, c'est clair. Mais bon, voilà. Moi, je propose cette démarche-là ce soir pour avoir un autre angle de vue que. Voilà. C'était marrant parce que tout à l'heure, il y avait une question qui disait que les modes grecs étaient issus de la gamme majeure, alors que c'est plutôt le contraire. Donc, c'est important de se rappeler qu'il n'y a pas que la gamme majeure et la gamme mineure. Voilà. Après, j'ai du coup MC, Marie-Christine, qui nous dit, mais alors du coup, c'est en décalé. Alors pourquoi la une? C'était tout à l'heure quand tu travaillais sur les deux, le schéma horizontal et vertical. Mais du coup, Marie-Christine, si jamais tu pouvais voilà, développer un peu plus, parce que c'est vrai que sorti de son contexte, c'est compliqué à reprendre. Je ne sais pas si, du coup, si Fabienne, tu Pourquoi arrives la à. corde une, Ouais, peut-être, ouais, elle ouais, voulait ouais. dire. Bah parce que là, on était en mi. Alors, pour le coup, c'était hyper pratique. Voilà. Et en fait, parce que ensuite, pour passer du schéma 6-1 au schéma 5-1 et au schéma 6-1 à la 12e case, quoi, pour passer de la case 0 à la 7e case et à la 12e case, et ben c'est pratique de passer par cette corde une. En bas, en fait. En fait, dans la pratique, quand on joue, ça va être assez simple, puisque déjà, quand on joue, c'est plutôt dans les aigus. Mais après, tu peux bien évidemment basculer aussi sur les autres cordes. Là, par exemple, j'ai basculé sur la corde 2. Donc, tu peux utiliser la corde 2. Mais la corde 3, elle n'est pas forcément très, très pratique pour l'utiliser comme rampe, mais on peut, je l'ai fait aussi tout à l'heure. L'avantage en mi, c'est que la corde 1, elle est en mi. Donc tu peux aussi utiliser la corde à vide de mi. Et faire des petits effets avec la corde à vide en alternant les notes qui sont dessus, quoi. Et vu que tu es en mi, ça va bien sonner. Voilà. C'est par rapport à la tonalité et puis. Par rapport à l'aspect pratique de la corde de mi aiguë qui est en bas qui tombe bien sous les doigts quoi. Alors moi j'ai juste C'est pas. je pense à quelque chose parce que j'ai jamais lu en entier. Il y avait du coup mon père que je salue d'ailleurs dans le chat qui fait du Ah, salut piano papa. et salut qui fait du piano blues jazz et qui m'avait passé ce gros bouquin qu'il faudrait que je lise complètement en entier. Je sais pas si tu le connais Ah oui. Fabienne du coup Ah oui. Ouais, fichtre. Fichtre et Ça, c'est pour les insomniaques, ça. Oui, voilà. oula. Et Ça oui. fait longtemps que je n'ai pas Parce que regardé ce du truc. coup, Oui, depuis que je suis né, je les pardon. entends, les gammes grecques. Ouais. Et donc, ça m'y fait penser. Je me dis, est-ce que du coup, par rapport au chat, est-ce que tu as des bouquins que tu conseilles, que voilà, où t'as pas Pour spécialement travailler des. les modes, pas spécialement, pas de bouquin, non, pas spécialement. Il y en a à l'appel, donc voilà. Non, j'en ai pas spécialement à dire comme ça, là. D'accord, t'as pas des références Mais que t'aimes bien ou de choses en particulier sur ça, non, sur. non. Après, on trouve beaucoup de choses à gauche, à droite. Bon, maintenant, s'il y en a qui veulent creuser la question, on trouve pas mal on a beaucoup, beaucoup de choses sur les modes sur Internet. Alors après, il y a des démarches différentes. Il y en a qui vont travailler les modes en partant de la gamme majeure, comme on disait tout à l'heure. Mais autrement, il y en a qui vont partir différemment, qui vont vraiment travailler la structure de chaque mode, de repérer les notes. Dans un mode, après, il va y avoir les notes cibles, c'est-à-dire que pour amener la couleur de ce mode-là, il y a des notes caractéristiques à ce mode, tout comme il y a des cadences d'accords aussi qui correspondent au mode. Bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu compliqué, hein, on ne peut pas tout expliquer là maintenant. Mais on trouve, par contre, j'ai quelques références de sites, là, je ne les ai pas en tête, mais bon, j'ai listé tout ça pour mes élèves. Souvent, je les envoie auprès de certains sites qui sont vraiment bien, bien faits sur Internet, où on peut avoir l'exemple sonore.
Parce que travailler un mode et pas l'entendre, enfin, juste la théorie, en fait, bah, ça reste de la théorie. Et ce qui est important, c'est vraiment l'entendre, en fait, le mode, pour ensuite bah, bien aller chercher les notes caractéristiques qui est importante. Donc, et puis, voilà, le mode est étroitement lié à l'accord, en fait. Il faut pas, tu peux pas dissocier l'accord et le mode qui va avec. Donc, c'est un peu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. C'est un large sujet. On va peut-être pas s'embarquer à cette heure-ci là-dessus. Hein. Tu crois pas? Juste gratouilleur du coup qui ce coup-ci c'est pas fait contrôler par le bot qui n'est plus là. Je disais plutôt que si l'on connaît parfaitement la gamme majeure ionienne, on peut décliner toutes les autres par degré. Donc on pourrait dire au lieu de dorien, deuxième degré de la majeure, historiquement, ok. Oui, il veut dire, oui, on pourrait dire que on est en train, on joue la gamme de do majeur en partant du deuxième degré. C'est ça que, hein, qui veut dire. Oui, on peut décaler toutes les autres par degré. Donc on pourrait dire au lieu de dorien, deuxième degré de la majeure. De la majeure, Oui, si tu veux le dire comme ça, mais il n'y a pas grand monde qui parle comme ça, mais si tu veux, je ne sais pas si il y en a qui te comprendront. Joue-moi le mode de. Oui, bien sûr, oui, c'est l'explication du mode, mais vu qu'il a un nom, c'est quand même plus pratique. Mais après, les noms, ils sont pas trop difficiles à retenir. Mais oui, tu peux avoir cette démarche-là. Et le nommer comme ça, si tu veux, que c'est le deuxième degré, que le dorien, par exemple, c'est le deuxième degré de la gamme de majeur, de la gamme majeure. On peut dire ça comme ça marche. C'est validé. donc c'est pour ça qu'il disait dans ce sens-là, ou dérivé dans ce sens-là qu'il expliquait tout à l'heure, dans le Oui, dérivé de... bien sûr. Oui, c'est une démarche. Oui, c'est une démarche. Bah écoute, en tout cas, Tout à fait. c'est bien chouette. Voilà. Merci beaucoup pour... je pense vraiment, ça... Bah déjà, pour les même ceux qui n'auront pas vu le live, pour les replays, etc. Et du coup, ça va... Ouais. Ouais, c'était bien riche et bien intéressant. Si Allez, tu voilà. dis 4, 5, 1, c'est bien ça, non? Oui, quand tu parles des cadences après en classique, si tu dis 4, 5, 1. Oui. Alors, oui, ça, c'est une cadence plutôt. Oui, alors 4 5 alors je ouais, 4 5 1 ou 2 5 1 qui est un enchaînement d'accords. Ouais, je reprécise un peu pour les autres. Donc lorsqu'on va enchaîner l'accord du deuxième degré de la gamme, l'accord du cinquième degré ou le quatrième degré, il disait, ou le premier degré, ça c'est une cadence plutôt tonale. Mais c'est vrai que c'est une cadence qui va amener la tonalité majeure, en fait, si on est en do, ça va amener les do majeurs. Les cadences, par exemple, les cadences dans les autres modes, c'est quand tu vas faire un enchaînement premier degré, deuxième degré, premier degré, deuxième degré, si le premier degré est mineur, bien sûr, et deuxième degré mineur. Si tu vois deux accords comme ça. Par exemple, ça c'est typiquement une cadence qui va t'imposer le mode dorien, par exemple. Voilà, donc il y a ça aussi, voilà, des cadences qui imposent ben, du coup la couleur du mode. Et puis aussi un accord, par exemple. Un accord dans les musiques, ouais, dans la musique actuelle, souvent il y a des morceaux où les accords sont joués sur plusieurs mesures, sur quatre mesures par exemple, ou sur même huit mesures, comme l'a beaucoup fait Miles Davis. Du coup, ces accords-là, ils imposent l'accord en lui-même sans forcément qu'il y ait un autre accord, c'est-à-dire juste un seul accord, impose une couleur d'un mode. Donc c'est par exemple si tu as un accord septième,
Dans le blues, par exemple, il n'y a que des accords septièmes. Dans le jazz, il y a beaucoup d'accords septièmes. Mais dans le blues, tu vas faire tout un morceau qu'avec des accords septièmes. Ça impose le mode mixolydien, par exemple, ce qu'on appelle c'est le cinquième degré, si tu veux. C'est lorsque tu joues une gamme majeure en partant du cinquième degré. Donc, un accord sous-entend un mode, en fait. Et une cadence d'accord impose aussi un mode. C'est vrai, quand tu fais un 4-5-1 ou un 2-5-1, là, tu imposes le mode ionien. Voilà. Tu es sur quelque chose de tonal. Voilà, et comme je t'ai joué tout à l'heure, voilà, la mineur, si mineur, la mineur, si mineur. Là, tu vas imposer un autre mode. Voilà. Donc, voilà, derrière la mélodie, derrière la tonalité, bien évidemment, il y a les accords et c'est indissociable. Voilà, c'est les accords qui installent la tonalité, qui installent le mode. Donc, il faut toujours être très très proche de l'harmonie et s'en préoccuper. C'était pas du tout le sujet de ce soir d'ailleurs. Parce que là, ce soir, on n'était que sur des cordes à vide pour faire une espèce de bourdon, de note tenue, pour amener voilà, une petite couleur et pour aussi agrémenter un petit peu l'improvisation. Mais oui, ça c'est après un autre chapitre. Il faut voilà, avoir quelques petites notions de l'harmonie, quoi. Pour un prochain live. Ouais, alors ça c'est un large voilà, sujet. Il y a du coup C'est Marie-Christine qui nous clair. dit merci beaucoup à Fabienne. Nat qui nous dit juste pour savoir quelle marque ou nom de luthier ta guitare, Fabienne, si jamais sur ta La guitare. guitare que j'ai là. Là, c'est une Fanton Dandon. Voilà. Olivier Fanton Dandon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Elle est de 1994. Voilà. Et voilà, dedans, je l'ai sonorisée. Ce qui fait qu'en concert, lorsque je joue, voilà, je joue souvent en duo avec Vincent, qui est au saxophone. Saxophone et guitare classique, là, c'est compliqué de rivaliser avec l'aspect sonore du saxophone. Donc j'ai sonorisé à l'intérieur, j'ai mis des micros et voilà, hop, ça sort du coup par là et voilà, je mets un petit jack par là. Voilà. Il y a Gilles qui nous dit merci Fabienne du travail d'exploration en perspective pour du coup pour Gilles, trois petits points en plus de tout le reste. Eh bien c'est bien. Ouais, c'est chouette. Ben, merci à vous. C'est Merci chouette. à Et vous. puis du coup, ben, on peut te retrouver, donc je disais sur le tout début hein, d'intro, Fabiog, où tu as une chaîne YouTube, du coup Ouais. on peut te trouver aussi sur Facebook, puisque Oui. dans tes créations, etc., tu as pas mal de choses que tu peux Voilà. aller voir. Voilà. Voilà, je fais un peu de la chanson, un peu de la création. Et puis, ça fait pas mal d'années que je travaille en duo avec un saxophoniste qui est entre autres mon mari aussi. Voilà, là on est plus sur un travail d'arrangement sur des morceaux qui sont connus et avec beaucoup d'improvisation dedans, etc. Voilà, plein de projets. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook, suivre un petit peu l'actualité Et pour du coup votre duo, sur Insta. je mettrai pour votre duo dans ceux qui regarderont en replay sur YouTube, je mettrai les liens parce qu'il y a aussi sur donc ZKK2, donc votre groupe, je ne sais pas si on dit comme ça, c'est Ouais, ZKK ou K. Zika 2, ouais. Et donc on peut avoir votre CD en digital, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc sur Voilà, en toutes les streaming, plateformes. oui. Donc je mettrai aussi les liens Ouais. si jamais il y en a qui veulent, voilà, qui sont intéressés pour avoir votre disque en tout cas. C'est dispo et Bah qui est très très chouette d'ailleurs, que j'aime beaucoup. ouais. Ah, merci, merci. Et Voilà, ben, c'était un plaisir. Merci à toi, Gabriel, pour ta confiance. bah écoute, c'était très chouette. Je suis très très content d'avoir fait ce premier live comme ça ensemble, très très bien. Et voilà, à refaire à l'occasion. Il y aura pas mal Ouais. d'interventions. Et puis, bah, merci pour ton temps aussi, puis pour voilà pour Bon. l'énergie et tout ça que ça C'était avec donnait. plaisir. Ah, très très chouette, merci beaucoup. Et bah, de toute façon, on se retrouve mardi prochain.
Voilà, et logiquement, il y aura le mardi 8 décembre, je crois. Je ne sais plus les dates là comme ça en tête, mais il y aura Romain Lange qui fera donc une session qui interviendra sur une session musicale sur le déchiffrage en guitare classique, puisqu'on m'avait demandé voilà, d'avoir un peu les techniques, comment se débrouille Romain Lange pour ça. Donc il viendra faire voilà, animer une soirée le 8 décembre. Et puis après, moi, de toute façon, bah, ce soir, ça y était pas. Mais la semaine prochaine, je continue le pas à pas débutant et puis aussi les sessions plus avancées, etc. Et n'hésitez pas à en parler encore une fois tout autour de vous, hein, puisque comme c'est le début de la chaîne, c'est la quatrième session. Donc n'hésitez pas à en parler, à partager et à mettre vos commentaires, hein, sur YouTube, etc. Voilà, non, après, il y en a qui sont en train de se faire des échanges de guitare dans le chat. Donc pour le reste, c'est tout bon. Bon, bah écoute, encore merci. Okay. Merci à vous de votre passage. Je vois qu'il y a encore 10 spectateurs, donc c'est chouette. Il y a eu du monde. Il y a des personnes qui sont restées attentives jusqu'au bout. C'était studieux. Eh bien, écoutez, je vous dis bonne soirée, à tout bientôt et à mardi prochain. Donc, tout le monde nous dit Béadou, merci, merci et bonne nuit. Merci et bonsoir, Phil. Eh bien, écoute, merci et bonne nuit à tous. Ciao, ciao. Et bonne semaine. Bye bye. À plus, à plus, à plus.